vais vous raconter ce qui m'est arrivé le jour où je suis allé sur les terres écossaises voir les châteaux hantés. J'avais repéré un petit café pour me désalter. Je vous présente une chorégraphie qui s'appelle Les Cornemuses. Alors, la musique et la chorégraphie d'origine, c'est de Jérôme Robert, un accordéoniste. Donc, elle se danse normalement en ligne debout. Et j'ai fait une adaptation assise et debout, d'accord? Donc, les cornemuses. C'est une chorégraphie de 32 temps avec 4 phases de 8, donc je ne vous présente les pas et après on la fera en musique. Alors, on a autant de personnes assises que de personnes debout. On va prendre les mains de son cavalier en face. Alors, je serai dos, mais j'explique quand même. Et, mesdames et messieurs, on va faire 2 talons avec le pied droit, revient, droite, revient. Et on fait la même chose avec le pied gauche. Gauche, revient. Gauche, revient. Et on va faire un pas lent et 3 petits pas. C'est-à-dire marche, marche, 3 petits pas. Encore marche, marche, 3 petits pas. Et cette première partie, on la refait une deuxième fois. On y va. Talon droit 2 fois. Et talon gauche 2 fois. Et marche, marche, 3 petits pas. Marche, marche, 3 petits pas. Super. La deuxième grande partie, elle se fait 4 fois et c'est là où on changera de cavalier. On va faire, on entend bien avec l'accordéon, tape main droite 3 fois, tout le monde, votre cavalier en face aussi, et main droite et main gauche, et nous allons faire 4 pas vers le cavalier, vers votre droite. Je change de cavalier. Et ça, on va le refaire encore 3 fois. On y va. Et main droite et main gauche. Marche, 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 et main droite, et main gauche, marche, marche, encore une fois, tape main droite, et main gauche, marche, 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 marche. Ce que je n'ai pas dit, mais ceux qui sont assis, quand on marche, ils marchent aussi. D'accord? Ok, alors, ce qu'on va faire avant de le refaire en musique, on va le refaire une deuxième fois en entier. On reprend les mains sur nouveau cavalier. 2 talons droits, 2 talons gauche, on y va. Droite 2 fois. Et gauche 2 fois. Marche, marche. Marche, marche. 3 petits pas. Marche, marche. La même chose. Droite 2 fois. Et gauche 2 fois. Et marche, marche. 3 petits pas. Marche, marche. Main et main droite. Et main droite. Et main gauche. Chant de cavalier. Encore. Tape main droite. Tape main gauche. Tourne, 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 tourne. Tape main droite, tape main gauche, tourne, je ne sais pas combien je suis, mais je crois qu'on en pourra. Et 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8, et on recommence avec son cavalier. On présente la danse avec le groupe de danse assise de Tama. Voilà. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé le jour où je suis allé sur les terres écossaises voir les châteaux hantés. J'avais repéré un petit café pour me désaltérer. Mais quand je suis rentré, black, tout le monde s'est mis à danser. Hey! Moi je voulais les faire tomber mais c'était pas gagné. Un peu fatigué, j'ai alors cherché un coin de tabouret.
mais le patron m'a dit, toi mon ami, tu vas danser. Hey! Hey!